fonctions des boutons et de la télécommande. Bouton de démarrage pour allumer et arrêter la poêle ou pour réveiller l'écran lorsqu'il est en stand-by. Flèche haute en basse pour sélectionner la température ambiance et faire notre set ambiance. Par exemple, nous pouvons choisir 22 degrés, OK. Choisis 22 degrés de cette ambiance. Flèche en basse pour sélectionner la puissance, augmenter ou diminuer la puissance. Par exemple, choisir puissance 4, OK. En ce cas, nous avons décidé de cette ambiance à 21 degrés et la puissance à 4. Sur l'écran, il apparaît la puissance choisie et la température de l'ambiance en ce moment. Ici, l'icône de l'état de la poêle. En ce cas, est off. Si la poêle est démarrée, sera on ou, selon la fonction, peut-être l'icône épargne ou standby ou autre fonction. Pour accéder à les menus utilisateurs et techniciennes, appuyez OK. Avec la flèche, nous pouvons choisir quelle part du menu utiliser. Par exemple, activer la fonction auto. Avec l'OK, nous avons choisi la fonction et activé la fonction auto. Avec autre fois l'OK, nous allons quitter la fonction. Avec la flèche, et l'OK, c'est pour choisir, comme nous avons dit, la fonction qui nous intéresse. Avec la flèche retour, nous retournons à le menu principal. Alors, OK pour entrer dans le menu, flèche en bas et haute pour mouvoir dans le menu, OK pour activer en fonction, flèche de retour pour retourner. Maintenant, on va voir les différentes fonctions dans le menu. Et comme déplacer à l'intérieur de le menu. Donc, bouton OK, menu. Première, activer la fonction auto. Avec le bouton OK, activer ou désactiver la fonction. Powerful, OK. La fonction powerful peut être off. En ce cas, nous avons choisi off. Ou, avec la flèche, peut être on. Activer le Powerful ou chrono, activer le Powerful avec le chronothermostat. Tout de suite, nous devons appuyer le bouton OK pour confirmer notre choix. Réglage utilisateur. Alors, nous pouvons choisir la ventilation de la poêle. Donc, parce que toutes nos poêles sont à convention naturelle, la ventilation s'est désactivée dans l'usine. Et nous devons activer ou désactiver la ventilation. Avec la flèche haute et bas, nous pouvons augmenter ou diminuer la puissance, la vitesse de la ventilation. Donc nous pouvons mettre puissance 2 ou avec le PS, la puissance sera la même de la puissance de la poêle. Si nous avons choisi puissance 4 sur la poêle, la vitesse de ventilation sera aussi 4. Au contraire, nous pouvons décider la vitesse de la ventilation différente de la puissance. Par exemple, ventilation vitesse 2 et la poêle est utilisée à puissance 4. Voilà, avec l'OK pour confirmer. Chronothermostat, habilitation ou pas de le chronothermostat. Notre chronothermostat, il y a 4 différents programmes à choisir. C'est-à-dire 4 différentes horaires à mettre. Pour exemple, avec le programme 1, nous pouvons décider l'horaire d'activation, de démarrage de la poêle. Pour exemple, à 21 heures. OK. Et l'arrêt à 22 heures. OK. En bas, nous pouvons décider quel jour de la semaine de faire ce programme de 21 à 22 heures. Et avec les petits carrés à tour, c'est la confirmation ou non de le jour. Et avec l'OK pour
aller à les suivants jours. Nous pouvons décider que les lundis, les mardis et les mercredis d'utiliser la même programmation. Une fois que c'est ici, avec le bouton Arrête, nous pouvons arrêter et changer notre programmation. Par exemple, nous avons décidé les lundis oui, les mardis non, les mercredis oui. Hein? Voilà. Hein? C'est important que le carré, c'est qu'il fasse l'activation ou pas de le chronothermostat. Avec le bouton OK, nous vont au final. Toute la programmation est faite. Et ici, nous pouvons décider la puissance que nous voulons démarrer la poêle. Par exemple, la puissance 5. OK. Les 7 ambiances que nous voulons que la poêle y va à arriver une fois qu'il est démarré. Par exemple, 21 degrés. Et si est activé ou pas la ventilation. Alors, ventilation peut être à vitesse 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou PS, comme nous avons dit, la même vitesse de la puissance de la poêle. C'est-à-dire PS, il va à faire la même vitesse de la puissance qui est 5. Ou, en notre cas, nous voulons activer la poêle, démarrer la poêle sans ventilation, c'est-à-dire à convention naturelle. OK. Ici, la chrono s'est programmée et habilité chrono, c'est-à-dire que de cette façon, les chronothermostats que nous avons fait sur le programme 1, que c'est les lundis, les mercredis et les vendredis, à la puissance 5, à 21 degrés et à convention naturelle, avec l'habilitation, il va à, être utilisé et en fonction. Tac, bouton retour pour sortir de cet menu. En bas, nous avons le chargement de la vie sans fin. OK. Normalement, notre poêle, il n'y a pas besoin de charger la vis sans fin, parce qu'elles sont déjà chargées. Mais si, en cas de nécessité de charger la vis, dans ce programme, nous pouvons faire le chargement de la vis sans fin. Normalement, une fois que le chargement de la vis sans fin s'est terminé, il va sortir automatiquement dans ce programme. En ce cas, nous n'avons pas la vis sans fin connectée, et alors nous allons sortir nous, avec les boutons de démarrage. Voilà. Autre fonction sur notre menu utilisateur, c'est le mélange pelle granule air ou pellet air. Ici, nous pouvons choisir la quantité de granules, augmenter ou diminuer de plus 1 à plus 5 ou moyenne 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est pour décider de diminuer la quantité de granules qui tombent sur notre brasier. Selon la dimension des granules, peut être intéressante. Voilà, nous avons choisi plus 1. Après, nous avons la prise d'air ou quantité d'oxygène que nous allons donner à notre brasier pour améliorer la combustion. Ou même, nous avons plus d'air, plus d'oxygène, jusqu'à 5. Ou moyen d'oxygène. Hein? C'est pour améliorer la combustion, la flamme. État des poêles, le vrai état, c'est-à-dire l'état actuel, c'est-à-dire la pression en pascal de la chambre de combustion, et tous les autres états, la vitesse de la vis sans fin, les ampères d'absorption de la vis sans fin, les différents timers. Hein? Ici, la température, la différente température de la poêle, alors la température de la flamme, la température fumée, la température de télécommande, la température de la sonde K. Ici, nous avons le kit Wi-Fi aussi. En ce cas, ce n'est pas connecté, non connect. Si le kit Wi-Fi est connecté, nous avons, oui, connecté les typologies de la de le kit Wi-Fi, les cloud, s'il y a un cloud, la signal, s'il est bon ou non. Voilà. Confort climat,
si la fonction qui est aussi peut être activée ou pas. Une fois qu'elle est activée, le confort climat, nous pouvons choisir la puissance et à quelle température, les delta températures de redémarrage de la poêle. Parce qu'avec le confort climat, la poêle, une fois qu'il arrive à cette ambiance décidue, il s'arrête. Et pour redémarrer, il redémarre à un delta de température que nous pouvons décider. Peut-être cette typologie de delta. Voilà. Programmation. C'est habilité ou pas un thermostat extérieur. Normalement, le thermostat va avoir la température de l'ambiance est déjà intégré dans notre commande. Si nous voulons activer un thermostat extérieur, ici c'est l'activation et après connecter le thermostat avec une sonde de câble ou Wi-Fi. Et après le réglage de l'heure, de la date, de la langue et autrefois le powerful, parce que nous pouvons décider la fonction powerful d'activer on-off à un horaire et les jours de la semaine que nous voulons. Voilà. Pour sortir, ok. Et c'est déjà sorti parce que c'est pas activé. Ici, c'est la TAR de la sonde ambiance. Parce que peut-être que la température de nos ambiances mesurée avec un thermostat sur l'ambiance est un petit peu différente de la température de la télécommande. Donc avec la TAR de la sonde ambiance, nous pouvons régler perfectement la température qui va lire notre télécommande. Contraste, c'est la luminosité de l'écran, si peut-être plus ou moyenne lumineuse. Version du firmware, il va montrer la version du firmware chargée sur la poêle. Nous pouvons choisir aussi. Anticondensation, il est possible d'activer ou pas la fonction d'anticondensation. Et canalisation, tous nos poêles sont ventilés à la sortie d'usine, c'est-à-dire que la canalisation sera un off. Si nous voulons activer la canalisation, nous pouvons activer avec la flèche haute en basse. Une canalisation simple, si c'est un modèle avec une seule canalisation, ou double, si c'est un modèle avec deux canalisations montées. Une fois que nous avons décidé, par exemple, canalisation simple, OK, en ce cas, la fonction canalisation est activée et nous avons aussi sur l'écran, sur le menu utilisateur, la fonction canalisation et nous pouvons faire tous les différents réglages de la vitesse de le ventilateur canalisation, par exemple la puissance 3 ou 4, l'activation de le contrôle de température si nous avons un son température pour contrôler la température de la canalisation et les différents réglages si nous avons activé la sonde de la température de la canalisation avec le thermostat extérieur, en ce cas c'est habilité, et nous pouvons décider aussi la température dans les réglages.